Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AH Gaming pour le sixième épisode de notre série sur Civilization Révolution. Alors je suis carrément dégoûté, j'étais en train de vous tourner cet épisode, donc le sixième, et j'en étais à peu près à un quart d'heure de vidéo, ce qui fait que c'était pas mal, quand même passé pas mal de choses, et je sais pas pourquoi le PC a décidé de s'éteindre, tout simplement, mais genre vraiment s'éteindre, genre comme une coupure de courant, vous voyez un peu le truc. Genre sans prévenir, sans rien, donc je sais pas pourquoi, du coup je l'ai rallumé, évidemment j'ai pas pu récupérer l'enregistrement, enfin Audacity, le logiciel qui me permet de capturer l'audio, m'a proposé de récupérer le projet, donc j'aurais pu avoir l'audio, mais je n'avais pas, j'ai pas pu récupérer la vidéo, donc l'audio sans la vidéo, ça aurait pas été super intéressant pour vous. Du coup il s'est passé 2-3 petites choses, vous voyez un peu quoi, par là il y a des troupes qui ont dégagé, nous on avait formé des troupes de combat, on a avancé dans les technologies, donc voilà quoi, malheureusement franchement je suis désolé mais j'y peux pas grand chose quoi du coup, mais c'est dommage. Du coup il y a à nouveau les Japonais qui arrivent là, les Russes nous ont déclaré la guerre. Et donc du coup on a ramené notre armée par là. Et j'allais pour ramener la catapulte dans la ville lorsque tout ça est arrivé. Je vais l'amener là pareil. Hop, défendre. Moins que. Hop, catapulte. Catapulte. On peut attaquer direct. Bah allez, on va attaquer son armée de légion. À l'avantage. Allez la catapulte. Oh, c'est chaud. Yes. Bien. Bon voilà. Tout simplement du coup. La troisième légion. La troisième légion est toute seule. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais la ramener ici du coup. Voilà, terminé tour. Bon bah parfait. Rempart terminé dans A-City. Génial. Construire bâtiment. Aqueduc. Votre ville se développera plus rapidement. Bonne culture. Dévoile plus d'or dans cette ville. Nos unités sont des vétérans. Je vais faire l'aqueduc pour développer un peu la ville. Ce soir dans 15 tours. Ça marche. Du coup, l'armée d'attaque. Par où ils passent d'ailleurs à chaque fois pour que je les vois pas passer? À part là peut-être. Maintenant ils peuvent pas passer par chez. Espagnol. Moi qui puisse couper par là. Je sais pas. Bah, du coup, on va laisser ça ici. Qu'est-ce qui vient de se former ici? Une légion. D'accord, une légion. Là, on a nos légions qui restent là. Ah, la légion. À pouvoir venir ici et former une petite armée de légionnaires pour anticiper les Russes qui veulent également nous attaquer. Ok, là on a une légion et eux, et du coup on va leur demander plutôt de former des cavaliers qui seront prêts dans 2 tours pour compléter une nouvelle armée de cavaliers. Celle-là, il n'y a pas besoin de la soigner, c'est bon. Et la catapulte, pas besoin de la soigner, ok, donc tout se passe bien. Guerrier espagnol, non, on part un peu en guerre avec tout le monde, c'est un peu le bordel. Bon, ça va, on a ce qu'il faut pour se défendre dans le coin. Par contre, là, on va arrêter de produire des légions maintenant. Alors, on va construire des bâtiments et on va faire. Le marché peut-être quoique
Non, on va faire le marché. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire une merveille. Et on va faire les jardins suspendus, qui augmentera la population de 50%, donc ça c'est plutôt cool. Ça va nous permettre de bien augmenter notre ville d'un coup d'un seul. Et l'armée d'archers est là pour défendre. Ok, tout va bien. Terminé le tour. Donc les japonais, on vient de l'éclater, donc on accepte certainement pas la paix. La 4ème légion... bah à la limite elle va défendre la ville un peu. Cette armée là... Elle va attaquer les guerriers russes, avec qui nous ne sommes plus en paix du coup. Hop, facile. Elle va rester là. Là j'ai mes armées de cavaliers, j'aimerais bien faire une nouvelle armée de cavaliers ici. Et après on fera un petit peu d'archers également là, pour défendre la ville. Et on enverra les armées conquérir le monde. Les Espagnols. Ok, les Espagnols entrent en guerre avec nous aussi. Là, ça part en couille. Bah celle-là, elle va rester ici en défense. À mon avis. Parfait, les cavaliers vont venir ici et former une armée de cavaliers avec un bon level. Et on va déjà essayer de prendre Malaga. Donc hop. Là on a la légion qui défend la ville ici. Et on va construire des archers. Est-ce qu'on a la caserne ici de construite? Ouais. Donc construire unité, on va former des archers qui sont déjà augmentés comme ça. En plus ça en fait un par tour, c'est plutôt cool. Et là, Malaga, je vais rapporter la catapulte, je pense que pour attaquer Malaga, ce sera utile. On va la mettre là, hop. Et cette armée de cavaliers là, qui va venir également face à Malaga. Comme ça, c'est pas mal. Là, il y a les jardins suspendus, là, il y a que le coduc. Ok, là, on a repris le contrôle un peu. C'est quoi ça? Non, je vais pas faire ça. Ça, c'est des... Ah! Des guerriers espagnols. D'accord, donc faudra tuer ça à l'occasion. Est-ce que la catapulte peut... attaquer Malaga? Ouais, parfait! Non! Ils ont gagné alors qu'ils étaient beaucoup plus faibles. Bon, au moins, on sait qu'ils sont mauvais. Donc, on va lancer une armée de cavaliers. Pour attaquer Malaga. Et là c'est limite hein. C'est très très limite. Ils ont eu de la chance leurs archers espagnols, ils seront plutôt bien débrouillés. Là peut-être tu défends la ville. Ouais. Hop. Là où ça produit des archers. Première unité de cavalier. Bah défendre. Celle-là elle va attaquer également. Voilà, parfait. Hop, on est en train de malmener les Espagnols qui sont là. Sachant que là, il nous reste encore mal de trucs. Ok, terminé le tour. Non, les Russes, on est déjà en guerre avec eux, donc ça m'intéresse pas du tout de faire la paix du coup. Archer, restez là. Allez. Là, faut qu'on plie Malaga dans cet épisode. Celle-là, les plaines, celle-là, les faut la soigner, donc on va faire attaquer celle-là. Ouh là là, ils ont de quoi se défendre. J'ai l'impression qu'on gère plutôt bien la bataille. Ouais. Ouais, allez, yes. Est-ce qu'on fait tomber la ville? Ah, cool. Une petite armée spéciale.
plus 1 en mouvement. Plus offensif de 50% au territoire national. Bah, comme toutes les villes sont côte à côte, je pense que ça peut être utile. Ok, nickel. Hop, on va soigner cette unité là. Et on va les faire patienter. Ah, attendez, à moins que. Ah non, on peut pas les. Ah si, on peut les faire attaquer. On va les. Hein? Mais non, j'ai pas demandé d'atteindre une destination, j'ai demandé d'attaquer. On sera au prochain tour. D'accord, donc elle ramène son armée. Ici on a nos archers, armée d'archers pour défendre la ville. Et la ville. On continue à faire des armées d'archers. Peut-être pas. Construire bâtiment. Bibliothèque générant deux fois plus de science dans cette ville. Non, c'est une ville, ville d'attaque. Rempart, ouais, ça prend un détournement. On va continuer à produire des unités ici en fait. Mais. Des légions. Légions, archers, cavaliers. Cavalier, c'est plutôt cool quand même, c'est une bonne grosse attaque. Bon, on va se faire des petites légions un peu, histoire de faire un petit peu de chair à canon. Alors eux, on va les soigner, hop. Et eux, du coup, vont attaquer les guerriers espagnols. Ok, bon. Surclassés. On les a ruinés. Ça, c'est les furtifs. C'est ceux qui... non, c'est quoi? Furtifs et normal. Ceux-là, donc, c'est les guérillas qui peuvent attaquer en territoire national. Petit bonus. Ok, donc ça, c'est cool. Et eux, du coup, on va les ramener là, à nouveau. Ah ok, non. Bon bah on va les faire défendre alors. Sur place. Nous. Eux ils sont en défense. Les légions. Ouais, ça me semble correct comme ça. Ou une catapulte. Oh là, l'armée de légions russes qui tente de nous attaquer. Beau combat, plutôt équilibré, on prend l'avantage. Allez les gars, oulala, oh, on s'est fait réduire sur la fin, on était à 52 et 53, ils nous ont ruinés. Ok, donc la petite armée russe arrive, et nous on a développé invention. Un personnage illustre apparaît, cool. Et du coup... Machine à vapeur. Je crois que machine à vapeur c'est plutôt cool. Attends, on va aller voir un peu l'organigramme des technologies. Voir où nous en sommes. Ingénierie. Alors. Là on a quoi? On a invention. Qui nous donne la machine à vapeur qui nous donne la combustion, c'est ça. Ouais, la machine à vapeur, faut vraiment la faire. C'est Ça ne... Non, j'ai fait quoi? Non... Ah non, je voulais pas du tout faire navigation, je voulais faire machine à vapeur. Ah non... Start. Mince.
key rhyme with oh. Ah, modifier recherche. Ouais, non, c'est machine à vapeur qu'il nous faut. Pour l'instant, vraiment, on se développe pour aller choper le pétrole. Légion, il y en a combien là? 2. Ok, bon, ça, ça va rester là. Ça, on va l'attaquer vite, rapidement. Hop, surclasser, d'accord. Parfait, spécialisation. Aperçu d'attaque contre certaines villes. Ouais, ça, ça va être cool. Comme ça, on a un peu de tout. Et surclassé, hop. Ok, donc là, on se défend plutôt bien. Bon, par contre, il y a la petite armée du bas là qui arrive un peu trop vite à mon goût. Est-ce qu'éventuellement on peut. Ouais non mais de toute façon on a de quoi se protéger dans la ville. Donc finalement c'est pas un souci. Et là on est en train de reformer des légions. Ok, terminé le tour. Ok, il y a un bateau qui arrive par là, ça c'est pas cool. Alors, on revient vachement bien en technologique, en économique et culturel, on s'est un peu rattrapé par les verts. D'accord. Et du coup le personnage Illus qui est censé apparaître là... Ah, d'accord. Thomas Edison. Ça, c'est cool. C'est quoi? Non, non, le japonais, là, c'est bon. Il nous l'a fait à l'envers depuis le début, donc... Hop, on a notre petite armée de légion qui se ramène, du coup. C'est la guerre dans ce coin-là. Oh là là, là, par contre, ils ont fait une énorme armée, les Espagnols, ils ont compris... qu'on était chaud, du coup on va se mettre là, on va te défendre. Production de science, on peut augmenter. On va terminer la technologie machine à vapeur. Hop, et on gagne directement un croiseur du coup. Ce qui nous fait un gros bateau cuirassier en 1600. Ce qui fait que... on a pas mal... comment dire... On a un peu niqué la réalité en fait, tout simplement. Défendre la ville, ouais. Du coup... Oui, on produit... Oui, les jardins suspendus, c'est vrai. Là du coup le croiseur par contre... Ouais mais putain mais ils me les font apparaître n'importe où les bateaux là, comment je fais moi maintenant? Je peux pas le déplacer? Mais c'est parce que l'autre bâtard il s'est mis là-haut. Super, j'ai un bateau qui peut naviguer dans... Ça dirait un nom personnalisé. Non, mer. Hop, la mer CH. Ça me semble pas mal du tout, ça non plus, comme petite mer. Alors lui il peut pas... Ok, lui il peut rien faire, donc il va rester là en mode défense. Super le croiseur dans le vent comme ça, j'apprécie. Du coup on fait quoi comme recherche actuellement? Oh, on fait rien donc, on va peut-être bosser. On va ferrer. Non, j'ai pas du tout envie de... Les cases de montagne. On en a pas. On en aura plus tard peut-être, mais navigation. Pourquoi on peut pas faire le truc du pétrole là encore? Peut-être qu'on a pas le. Peut-être un peu trop tôt en même temps. Machine à vapeur.
Ah ouais, c'est verrouillé. Pourquoi est-ce que c'est verrouillé? Si on fait pas ferrer, on a accès à quoi? Ah, production de masse? Ça fait quoi, production de masse? Production de masse, on a l'énergie nucléaire après. Et le vol spatial, de toute façon, on peut le faire pour l'instant, visiblement. Combustion. Sinon, il faut aussi poudre à canon et métallurgie. On est avec université en main en faisant alphabétisation, mathématiques, démocratie, ok, livre des lois. Allez, livre des lois. Ah ou alphabétisation, tiens, alphabétisation, hop, alphabétisation. Et du coup, on terminera là-dessus pour ce sixième épisode, l'épisode un peu du fail, hein, puisque le début a raté. Et je vous donne rendez-vous au 7ème épisode, là on commence à bien gérer et la situation est en train de se tourner à notre avantage. Donc dès le prochain épisode on essaiera de prendre Malaga, de repousser l'attaque russe et de se développer encore plus. Du coup je vous dis à très bientôt, ciao. La galère stop, c'est là. Alors lui il arrive là, donc finalement c'est peut-être le moment de convertir Yokohama à la civilisation. Allez hop, parfait, c'est devenu chez nous. Donc on va déjà construire une route.